Meghan Markle se détaille sur sa robe de mariage qui a choqué la reine Elizabeth I. Le 19 mai 2018 et rappelez-vous et personne n'a pu oublier l'arrivée de Meghan Markle à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Dire qu'elle était sublime serait un euphémisme tant elle était éblouissante dans sa robe de mariée dessinée par la Clarouette Kelley, directrice artistique de la maison de couture Givenchy. Un moment que les fashionistas les plus pointus de la planète mode ne sont pas prêts d'oublier et en colure bateau, manche trois quarts, silhouette longiligne, coiffure sage et elle était tout simplement parfaite. Alors comment aurions-nous pu parier que cette robe haute couture d'une beauté à couper le souffle ferait grincer les dents de la reine Elizabeth I. Et pourtant / l'ex-actrice de suite avait peut-être omis de se renseigner sur les traditions anglaises et… En effet, des sources royales ont révélé que la reine Elizabeth I avait été extrêmement surprise et même choquée que Meghan ait décidé de porter du blanc. Car traditionnellement, la robe blanche, symbole de pureté, est réservée aux femmes n'ayant pas encore perdu leur virginité. Meghan ayant déjà été mariée en robe longue et blanche, au producteur américain Trevor Angelson, de 2011 à 2013, on aurait donc pu s'attendre à ce qu'elle prenne garde à ce détail de taille / et choisisse plutôt de porter une robe couleur champagne ou rose tendre et faisant fi des us et coutumes, ne souhaitant qu'offrir un maximum de bonheur à son prince Harry. Meghan a prouvé une fois de plus qu'elle ne s'en laissera pas compter par la reine et son entourage / Peut-être une façon pour elle de s'imposer haut et fort aux yeux du monde entier dès le jour du mariage / Et si revoir les tenues des jeunes tourtereaux le jour de leur mariage vous tente, sachez que la fameuse robe Givenchy et le costume du prince Harry sont exposés au château de Windsor jusqu'au 6 janvier 2019. Puis au Palace of Holyrood à Édimbourg du 13 juin au 6 octobre 2019, au sein d'une exposition intitulée A Royal Wedding, The Duke and Duchess of Sussex.